tous les 20 tenues que fait Brive la Marseillaise. Et le combat va commencer. Van Buiten qui enlève sa ceinture de champion du monde pour la donner à M. Bayard. Jean Ferré était bûcheron dans la forêt de Montlien, dans la Seine-et-Marne. Et pour ce bûcheron, c'est maintenant leur hache. Et c'est parti. Non, l'arbre ne rompt pas. Il a des mains comme des poils à frire. Avec une main, il couvre le visage de Van Buiten. Il n'est pourtant pas l'enfant de cœur. Quand il tombe, on dirait l'enfer. Il a un pied, il ne sait pas quoi en faire, Van Buiten. Il a une chose énorme qui fait du 58. Il regarde ce pied et dit voilà, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Il grimpe dessus. Ça plie pas. Ça plie pas. C'est une péniche. Van Buiten, dans sa carrière de champion du monde, a dû avoir affaire à des pieds, mais jamais à des pieds aussi grands. Il essaie de lui tordre pourtant. Il y a de quoi faire. Il a fait basculer, il a fait faire deux tours. Il lui a pris la tête maintenant. Il lui a pris la tête. Mais Jean Ferré, les cartes ne savent pas la frire. Regardez cette main, elle couvre le visage, on voit plus rien. Oh! Oh, quelle main! Il voudrait l'attaquer la tête, mais il ne peut pas la prendre comme il voudrait, il faudrait un ascenseur. Allez! Boum! Ça continue. La prise continue. De Van Buiten. Aïe papa Franck, il est obligé de s'y reprendre à deux fois. Voilà, il est monté à califourchon et Ferré n'a pas bougé. Ah, il est aérien quand même, il est bon ce Van Buiten. Aïe, il essaie de le prendre dans les hauteurs. Ah, il a quand même du métier, il est bon. Ferré, lui, est assez inexpérimenté, faut bien dire, il est tout jeune, il a 21 ans, mais là, il a une force absolument herculéenne. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben oui, il porte l'étranglement. Ferré s'est plus ou moins dégagé, oui, il s'est même dégagé, il est même debout le premier. Car, ah là là, les manchettes à pleut. Et il attaque Van Buiten. Thank you.
Van Buiten s'accroche à ce pied comme un naufragé à une bouée de sauvetage. Mais Jean Ferré se dégage avec une prise de tête, une clé à la tête. Hop, il s'est échappé. Là, il se fâche. Là, il commence à se fâcher. Comment? On me registre moi? Le chien ferré. Ouf, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Les deux pieds dans la poitrine, dans son châssis, il n'a pas bougé. Là. Ceinture avant de Ferré. Voilà, coupez le souffle. On va couper le souffle. Quel monstre! Le pauvre Frank Van Buiten en voie de verter le pas mûr en ce moment. Un grand cri. Il n'a pas lâché sa prise. Si, il lâche parce que là, il touchait les cordes. Correct. Oh, il part à Buiten, mais... Ouh là 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 là. Voilà. C'est bon, ça. Van Buiten essaie très courageusement d'aller en manchette, alors que si jamais l'autre part en manchette, il lui coupe la... Coup de tête, c'est lui qui s'est assommé. Oh là. Oh là là. Van Buiten part, assez joliment d'ailleurs, et porte une clé au bras, mais s'en débarrasse comme ça. Coup de tête dans le buffet, il bouge pas. Des manchettes, il bouge pas plus. De pique, c'est en roc. Que dis-je, c'est en roc. Il bouge pas, en roc. Plouf. Ben, oh là 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 là, qu'elle a claqué celle-là. Ouh, il a entendu claquer jusqu'au boulevard Saint-Michel. Il se relève quand même, Van Buiten. Oh, oh là là, ça claque dur les manchettes. Oh là là. Eh ben, projection. Oh, il a essayé de le coucher, mais... Ah, vraiment, il a subi un enfourchement de Ferré. Et c'est avec ses 100 kilos presque, Van Buiten est baladé d'un côté et de l'autre du ring, comme une poupée de son, poupée de cire, poupée de son, qui prend des manchettes en ce moment, et là encore des projections. Ah, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, rien à faire. Et... Oh là là. Ah, et Van Buiten apparaît là. Oh là là, est-ce que vous voulez qu'il fasse de ce pied sur le nez? Manchette, mais il recule chaque fois qu'il passe une manchette. Et pourtant, je vous assure qu'il est costaud, ce Van Buiten. Ouais, bouf. Chaque fois qu'il tape, on dirait un bœuf. Chaque fois que Van Buiten prend son élan pour essayer de le plaquer au sol, Jean Ferré non seulement ne tombe pas, mais l'enfourche et le précipite au tapis. Attention, 1, 2, 3, oui! Ah, et là, il l'a eu à la régulière. Il l'avait plaqué 3 fois au sol. Alors. Jean Ferré. Voilà, en très peu de temps, Jean Ferré, c'est vraiment trop fort, et déclaré vainqueur, champion du monde des poids lourds.
Et Bayard lui passe la ceinture de champion du monde. Jean Ferret. Et ce sera un triple hurra pour Jean Ferret que Jean-Michel Poralnier et moi-même vous rendons l'antenne. Ici, le Palais de la Mutualité, télévision française.